là, c'est un mauvais dégagement. Antonietti, le puck qui traite, Geoffrey, goal. 7 minutes 46, première grosse occasion pour les Vaudois. Et but marqué par Geoffrey, son 8e de l'exercice. Ça faisait 44 matchs qu'il n'avait pas fait trembler les filets. Eh bien là, les filets vont trembler, non pas par Chepi, mais par Blindenbacher. L'UR réclame, il y avait du monde devant lui. Y avait-il des joueurs dans la zone du gardien? Monsieur Verly ne semble pas. On est, me semble-t-il, à la limite. Schelling qui contourne et qui marque. Depuis derrière le but, Schelling s'en vient trouver le patin dans Zurichois et marquer son premier but depuis pratiquement deux mois. Jusqu'ici. Rodbled. Thoresen qui insiste, c'est le deuxième. Le Norvégien qui trompe en Beken, le gardien huet. Et la possibilité pour Eren. Gobi qui frappe fort et qui fait vibrer la gourde, c'est goal! John Gobi pour son 200e point en Ligue nationale 1. Il a frappé fort et il a trompé un Schlegel qui n'y a vu que du feu. Seger et but. Et celui-là fait mouche. Mathias Seger montre qu'il en est encore dans les bras. Un tir puissant. Geoffrey, il y a la montée d'un coéquipier. Il n'a pas pu lui donner si maintenant. Contourne la cage. Jouer le puck au fond. C'est le but, la victoire pour les Lausannois avec Joel Genazzi. Il avait déjà marqué hier. Il réédite ce soir.